Et à venir, ici Warsaw Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de FC 25 sur PS5. Je vais continuer le jeu et les trophées et je vais continuer de m'amuser. C'est parti, je suis dans la carrière pro, je suis dans la deuxième saison. Et je continue les entraînements et le jeu avec Kai Le Liang. Je suis sur la route vers le ballon d'or. Là, j'ai marqué tous les buts, j'ai fait tous les matchs de la deuxième saison. J'ai re-signé avec le Real Madrid. Donc, je continue les matchs. Je fais le match et c'est parti. La voilà, la grande attraction de ce match. En ce moment, ses performances sont impressionnantes, notamment sur le plan comptable. On va voir ça ensemble. Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de se rejoindre comme ça tous ensemble pour ce match. On n'est pas n'importe où, on est au Santiago Bernabéu. Benjamin, attention parce qu'il y a un but du côté de l'Estadio Metropolitano. Oui, oui, Benjamin, c'est le premier but pour l'Atlético Madrid. Et le face-à-face à venir. En pleine position pour frapper. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Il peut frapper. L'occasion de prendre l'avantage. Et but. C'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Il peut tenter sa chance. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Oh oui, la frappe. Et oui, c'est le but. Et maintenant, ça s'annonce très très mal pour l'équipe adverse. Et c'est fini, la fin de la rencontre et ça s'achève avec une victoire pour le Real Madrid. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire. Sa performance aujourd'hui. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. 4 buts marqués lors de son dernier match. Autant vous dire que son niveau de confiance est... Salut à toutes et à tous, c'est une grande joie de vous retrouver depuis les tribunes du Ramon Sanchez Pizjuan. Le point de pénalty. Goal, 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 goal. Et ce but est indiqué. Ballon boxé par le gardien. Voilà la bonne frappe. C'est bien fait, vous allez voir le danger.
Ouais, très bon pressing. Et le ballon est récupéré dans une zone dangereuse. Ouais, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Ah oui, il y a un jeu là-dessus, c'est signalé, c'est normal. Effectivement, mauvais placement par rapport à la défense. Oh, la passe, elle est complètement manquée. Oh, attention, ça peut être dangereux. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Corner bien joué, bien frappé. Facundo de Medina dégage le ballon. Luka Modric. Oh oui, le voilà, le but pour assommer le match. En bonne position Camavinga. Et le but encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Mbappé. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est fini. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre et le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. Une performance collective par qu'on a vu de sa part aujourd'hui, c'est c'est la grande attraction de ce match. Il faut dire que son triplé lors du dernier match a marqué les esprits. On va vivre ça ensemble dans un instant. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçu. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Je suis donc... Le corner. Et ça peut être dangereux. C'est réussi, c'est encore. Et les voilà maintenant en tête au tableau d'affichage. Ballon dans la surface. Très bonne sortie. Et un ballon. Devant le but, il faut frapper. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. La victoire du Real, le coup de sifflet final dans cette rencontre. C'est donc un succès pour les Madrilènes. 2 matchs et déjà la 2e victoire. On a vu cette...
attend beaucoup de lui, c'est évident. Il reste sur un magnifique triplé lors du dernier match. Le coup d'envoi, c'est pour Traian. Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid, dans cette enceinte mythique, le Bernabéu. Dans la cabine de commentateur, Benjamin Da Silva, LP. Il faut s'entrer là-dessus. Le danger bien repoussé par le gardien. Il prend sa chance là. Ah, il peut frapper pour égaliser. Oh, c'est relâché ce ballon et donc le but. Quel manque de maîtrise. Grosse occasion pour passer devant. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte après l'égalisation. La fée des Valverde casse les lignes. Et la bonne transmission dans l'espace. Et oui, le bon réflexe. Elle est merveilleuse cette passe. Et ça chauffe encore. Attention à cette occasion. Et le but, c'est son troisième du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène. Là. Encore une opportunité. Et oui, c'est au fond des filets. La boutique peut fermer. Le match. Et c'est fini. La fin de la rencontre. Et ça s'achève avec une victoire pour le Real Madrid. Toute l'équipe a mis... On y est enfin, la tension est palpable et l'émotion est au rendez-vous. Décollage dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Bien défendu, mais le ballon revient. Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. Oui, le centre dans la surface. L'occasion de faire parler sa frappe. Et le break est fait, et voilà, avec une avance confortable maintenant.
peu de chance pour tenter une frappe. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Bonne position. Et allez, encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance. Et encore. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. En termes de position ou d'initiative. Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment, se laisser emporter par la foule. Rendez-vous dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés et ça risque de vous plaire. Quelle chance vous avez! Attention, voilà un bon duel. Ce match est débloqué et ça promet pour la suite. Il y a du soutien là pour attaquer. Oh, attention à ce ballon. Et but ! Ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. Deux longueurs d'avance, la victoire se rapproche. Une projection pour la France dans le couloir. Ah, il peut conclure. Ah, c'est bien fait, il a le même danger. Vers l'intérieur. Et oui, le tir. Oui, la parade. Oh, la bonne position. Oui, bonne intervention. Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. Et oui, une victoire après un match très serré. Ça traduit toute l'intensité émotionnelle de ce match. Forcément, tous les yeux sont rivés sur lui. 4 buts marqués lors de son dernier match. Autant vous dire que son niveau de confiance est au plus haut. On va vivre ça. C'est l'heure de se retrouver pour cette affiche en direct des tribunes de l'Estadio à Banca Palaidos, à Vigo. On commente.
face à face avec le gardien. Ah, il y a encore danger. Oh, il y a encore le feu. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Pour prendre l'avantage peut-être. Attention, il y a danger là. Oh, le but à l'instant. Quelle réalisation. C'est un corner bien joué, bien frappé. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il peut tenter sa chance. Ouh, le but, un troisième but d'écart. Leur domination est écrasante. Attention, très bonne occasion. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Attention, ça peut être dangereux. Elle a place pour tenter sa chance. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick, c'est fait, formidable performance. Kevin De Bruyne a de l'espace sur l'aile. Excellente intervention. La joie des Madrilènes s'est terminée avec donc cette victoire pour le Real. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter. Voilà ce qu'on a... Évidemment, aujourd'hui, c'est son mot qui attire l'attention. Il a réalisé un triplé lors du dernier match. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid. Nous sommes à l'Estadio Santiago Bernabéu. La team Dada, comme d'habitude. Déjà le premier but du match, le spectacle est lancé, ça commence fort. Ouais, bien joué, pénalty transformé, très bien exécuté. Grosse opportunité, attention. À la parade, mais le danger est toujours présent. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être.
centre là peut-être. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Occasion avec cette frappe. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Lucas Vázquez. Modric. Ouais, c'est bien fait ça. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et c'est fait, c'est au fond. Et c'est sans doute qui vient sceller la rencontre. La victoire du Real, le coup de sifflet final dans cette rencontre. C'est donc un succès pour les Madrilènes. Oui, une victoire assez nette. Deux buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe. Alors, je continue, on approche du 3 novembre. Entraînement, oui. Tout simulé. On se retrouve pour le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'ambiance des grands soirs ici au Santiago Bernabéu, l'ambiance des grands soirs. Il est parti dans le dos. Il est bien. Dommage. Le centre vers Bellingham. Le gardien qui écarte bien le danger. En très bonne position. La parade, mais ce n'est pas fini. Tire et il marque en deux temps. Alors, on continue de mettre des buts. Lucas Vázquez. Ah, il faut prendre sa tire et il marque. Ah, et voilà. Troisième but d'avance, sans doute définitif pour assommer cette rencontre. Et c'est fini. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre et le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. On leur souhaite on a le ballon. Tout leur match de la même manière avec ces deux buts d'écart. Alors ce qu'on a vu, c'est très simple, c'est une prestation phénoménale. Et voilà, ce que c'est d'avoir une relation amicale, amoureuse avec le but, c'est cette capacité d'avoir toujours le geste juste au moment juste. Une prestation exceptionnelle de sa part. Allez, je continue. Tout simulé.
Et voilà. Donc dans la saison, j'ai 43 buts. Avec ces des stats joueurs. Au cas où, je vais sauvegarder. Quoique c'est déjà fait, on dirait. On continue de marquer et on fait d'être mieux. Évidemment, c'est la grande attraction de ce match. 4 buts marqués lors de ce dernier match. Je dois vous dire que son niveau de confiance est au plus haut. Le coup d'envoi, c'est pour très bien. Salut tout le monde, on est heureux de vous retrouver au Pays Basque espagnol à la Real Arena de San Sebastián pour être tout à fait précis. La team Dada est ravie de vous retrouver. Allez, ça passe, merci. Olé, belle technique là. Ah, j'ai perdu le ballon. Parce qu'il y a toujours 0-0, mais ça peut s'arranger. La solution en attaque là. Je suis en attaque. Bon, allez, il va tirer, il va tirer, il va tirer. Et il met le but. Attention, là, il va marrer, il va tirer. Le corner. C'est bien parti pour ce corner. Et voilà le mon but. Allez, on court, 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 court. Tu tires et tu marques. Et voilà. Le but du doublé, quelle performance! Avec l'instinct du buteur. Exactement. La stade du buteur. La signature d'un super joueur. Allez, on continue. Allez, cours, 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 cours. Et voilà une intervention toute en maîtrise dans sa propre surface. Et pourtant, j'avais récupéré le ballon. De partout. Et il reste 5 minutes à jouer. Plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et ces deux équipes toujours très. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Et là, il a tiré. Et dans. Le petit jeu final, c'est donc terminé. Dommage. C'est un score de parité pour le Real Madrid. Un match assez agréable à suivre, avec des bonnes actions des deux côtés. Et on recommence le match. Pour passer une belle soirée et bienvenue à San Sebastián dans l'enceinte de la Real Arena. Ici Benjamin Da Silva avec. Il va tirer et j'ai mis un but et voilà le but. Allez, on continue de marquer.
Ah, la bonne frappe. Aïe. Allez, on court un maximum. On est devant les buts. Est-ce que je vais marquer? Et oui. Magnifique. Mais non, il n'y a pas de secret. Allez, 2-0. C'est magnifique. Et il reste encore du temps. Je peux vous rattraper. Comme je peux aggraver le score. À la passe. Merci. Allez, on tire et on marque. Allez, on continue de courir. Ah, le ballon intéressant. On passe devant tout le monde. Et le danger est on tire et on marque. Et voilà. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Ça, c'est chouette. L'arbitre siffle la fin et on a gagné. Le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette sans babu. Ouais. Voilà ce qu'on appelle un récital, un très très grand match de football. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Pas grand chose. À part admirer, se lever et applaudir. Devant une prestation aussi prolifique, on s'incline et on dit gracias a la vie. On peut continuer maintenant. Allez, on continue. Donc là, je suis à 88 général. Avec mon pro, j'ai 10 buts. Et je vais continuer. En novembre, donc Mbappé, il a toujours le ballon d'or parce qu'il est en tête. Donc le ballon d'or 2025. Qu'il est supérieur en général. Donc je vais continuer de jouer avec mon perso. Entraînement. Et niveau 33. Donc j'ai 3 points de compétence en plus pour augmenter, ça c'est bien. On ne peut pas ne pas évoquer son nom avant cette rencontre. Sa dernière sortie s'est soldée par une performance exceptionnelle. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au Santiago Bernabéu et au programme. C'est une magnifique soirée qui nous attend. Oh, attention à ce ballon,
Allez, cours, 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 cours. Tu tires et tu marques. Et voilà. Et voilà, ça nous réserve un match complet pour vous. Oh, ça peut aller au but. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Attention, très bonne occasion. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le... Il peut tenter sa chance. Et le but. Et oui, le but. Splendide, ça y est, le hat-trick, c'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Qu'il va emporter chez lui. J'aimerais bien. Et le face à face à venir. Attention, il y a danger là. Il y a encore le feu. Oh, c'est dedans. Et le but. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal. La fin de ce match et ça se termine avec une victoire pour le Real Madrid. Un succès assez net. C'est deux buts. Les esprits, on se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de se rejoindre comme ça tous ensemble pour ce match. On n'est pas n'importe où, on est au centre. Là, on va tirer et je tire vers où? Et je vais tirer un peu trop tôt. Penalty complètement loupé. Ça se voit, mais c'est pas grave. Bien défendu, le ballon est renvoyé. Vers le point de pénalty. Pas besoin de forcer ce ballon sur ce corner. On avance. Et ça y est, le match se décante. Le premier but dans cette rencontre au sommet. Et pourquoi pas un tir pour la frappe. Un tir ou un but. Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. Déclenché. Et oui, le but. Voilà. Et le encore un but. Pour le hat-trick. C'est incroyable. C'est magnifique.
à une frappe pour conclure peut-être. Et le but est voilà le but. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts. Et c'est fini, la fin de la rencontre. Et ça s'achève avec une victoire pour le Real Madrid. On aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment, se laisser emporter par la foule. Rendez-vous dans un instant. Actuellement assis dans les gradins de l'Orange Vélodrome à Marseille. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui.
aujourd'hui. Bonjour à tous. Benjamin Da Silva. Dommage. Oula, rien ne va dans cette frappe et ça sort donc en bouche. Il y a du monde en soutien. Et le but. Le but pour la France, égalisation. Olé, belle technique là. Le tir peut-être pour égaliser. Le tir, je vois. La finale et donc on en reste là et côté supporter, c'est plutôt la consternation. Quand on est dans le stade, on n'a pas forcément accès à tous les ralentis. C'est vrai que c'est... Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés. Attention, joueur, il prend pas le tir et je loupe, pas de dommage. Eli Wahi. Tu vas me laisser passer, toi, merci. Je tire et je marque. Et oui, rempli la glace. Peut-être un centre, attention à toi. Pour tenter sa chance. Et non, dommage. On en a fini avec ce match qui n'a donc pas trouvé son vainqueur. Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire pencher le match en sa faveur. Le match est resté en équilibre. Match. Alors, on recommence. L'Orange Vélodrome, on est ravis de vous retrouver à Marseille. Ici Benjamin Da Silva et à mes côtés, celui que je supporte depuis plus de... Et cours, tire et tu marques, voilà. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions. Ah, un partout. Allez, cours. Et pourquoi pas ici. Cours et voilà. Toujours de 1, c'est magnifique. Attention à toi. On tire et on marque. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Ils ont même un rouge encore en plus. Tire et je marque. Et c'est fini. 4-2, c'est magnifique. Quand on regarde le score, la défaite année. Et je peux continuer cette fois-ci. Je vais continuer. Je continue.
C'est bien. Si tu as des questions, n'hésite pas, reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo.